Bienvenue aussi. Mon nom est Mathieu Ménil, je suis co-responsable de la fonction renforcement des capacités pour le Réseau 1 Québec. Puis au nom du Réseau 1, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce troisième événement dans notre série webinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le Dr. Antoine Boivin, qui présentera sur la recherche en partenariat avec les patients. Et, je peux vous dire que j'ai eu la chance de côtoyer Antoine récemment dans un projet pour l'Unité Sport. Et, je pense que ce serait vraiment juste de lui caractériser vraiment comme une étoile montante dans notre réseau. Donc là, on va passer à la prochaine diapo pour vous donner quelques consignes. Oui, celui-là, parfait. Donc, cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque de présentation du Réseau 1. Puis, donc, tous les invités sont mis en sourdine afin d'augmenter la qualité sonore pour la présentation. Vous pouvez, pendant la présentation, poser des questions. On va prendre les questions à la fin, mais il y a deux façons de poser vos questions. Premièrement, vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main » à gauche du tableau à bord. À la fin de la présentation, nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à poser vos questions verbalement. Puis, la deuxième façon est aussi très simple. Vous pouvez écrire votre question en tout temps dans la boîte de questions en bas. Donc, nous ferons la lecture des questions pour vous à la fin de la présentation. Donc, puisque le temps est limité, on n'est pas certain de pouvoir prendre toutes les questions, mais s'il en reste des questions à la fin, puis on peut peut-être demander à Antoine de répondre par courriel. Donc là, je vais présenter Antoine. Donc, Antoine, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Donc, Antoine est médecin de famille et professeur adjoint au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Il est titulaire d'une bourse de clinicien-chercheur du IRSC. Puis, son programme de recherche porte sur le partenariat avec les patients et le public. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Antoine Boivin. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup Mathieu, merci d'être présent. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de présenter directement d'une capsule spatiale, donc c'est intéressant, c'est particulier de ne pas savoir qui écoute puis tout ça, mais bon, on va essayer d'avoir une interaction à la fin. Je suis en direct de Sainte Mary's, il y a du monde dans la salle, fait que je vais partager mon attention visuelle entre la caméra puis les gens qui sont présents. Donc la thématique qu'on m'a demandé de présenter sur le soutien à la recherche en partenariat avec les patients, qui est certainement une thématique dont on entend de plus en plus parler dans nos réseaux de recherche avec l'émergence de la stratégie de recherche orientée sur les patients. Ça soulève beaucoup de questions sur comment le faire, pratico-pratique. Donc, je vais axer la présentation sur une révision de pourquoi faire de la recherche avec les patients, mais mettre l'accent sur peut-être plus des considérations pratiques de comment le faire, puis quelles ressources sont disponibles maintenant et lesquelles vont apparaître prochainement pour soutenir les chercheurs et les patients à travailler ensemble. Donc, pourquoi faire de la recherche avec les patients plutôt que faire de la recherche sur les patients? Les patients, bon, traditionnellement, sont mobilisés dans la recherche en santé comme sujet de recherche. L'essentiel du travail de production de connaissances relève du rôle des chercheurs, alors que les premiers utilisateurs des connaissances, c'est les cliniciens. Ce qu'on constate, c'est que la majorité de la recherche est produite en marge des pratiques de santé. Donc, un exemple, sur 1000 patients chaque mois, 750 vont présenter des symptômes, mais ne vont pas se présenter à des professionnels de la santé. C'est seulement 1 sur 1000 qui va être hospitalisé en centre universitaire où est produit au-dessus de 95% de la recherche. Un des impacts de ce décalage-là entre les pratiques de soins et la recherche, c'est que la recherche, en grande partie, ne répond pas aux questions prioritaires des patients et des cliniciens. Donc, un exemple ici, vous avez des priorités de recherche qui ont été établies conjointement par des patients et des cliniciens dans le cadre de processus structurés de la James Lind Alliance, qui sont comparés aux sujets, aux questions qui sont adressées par des essais randomisés qui sont enregistrés. Donc, vous voyez que la majorité des questions, des
incertitudes qui sont prioritaires aux yeux des patients et des cliniciens touchent des interventions psychosociales, des activités d'éducation, des thèmes par rapport à l'organisation des soins et services, alors que la vaste majorité des études enregistrées portent sur les technologies médicales et l'efficacité des médicaments. Un des effets de ça, c'est que malgré des investissements considérables dans la recherche en santé, on investit au-dessus d'1 milliard de dollars en fonds publics dans la recherche en santé au Canada. Traduire cette recherche-là en résultats de santé pour les patients, c'est un défi. Le Canada traîne la patte à différents niveaux, ce qui a fait dire à certains que jusqu'à 85 % de nos investissements en recherche seraient gaspillés si on mesure l'impact de la recherche en fonction des résultats de santé pour les patients. Ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est une croissance d'une participation plus active des patients dans la recherche. Et donc, le patient, tranquillement, devient un partenaire de la recherche qui est impliqué à la fois dans le processus de production des connaissances que dans l'utilisation des connaissances en pratique. Cette transformation-là s'incarne au niveau des IRSC par la mise en œuvre de la stratégie de recherche axée sur le patient qui a été lancée en 2011, qui initialement impliquait pas tant les patients, mais c'est devenu de plus en plus explicite comme engagement. Donc, la recherche axée sur le patient est définie par les IRSC comme un continuum scientifique qui mobilise les patients comme partenaires, qui se concentre sur les priorités établies par les patients, améliore les résultats pour les patients, qui vise à améliorer le système et les pratiques de soins de santé. L'engagement des patients en recherche dans ce contexte-là, c'est conçu comme une collaboration significative et active des patients à la gouvernance, l'établissement des priorités, la réalisation de la recherche et l'application des connaissances. Donc, dans le cadre de la stratégie de recherche axée sur le patient, on parle beaucoup du patient, mais il y a aussi d'autres partenaires importants qui sont mobilisés, des porte-parole des communautés touchées ou les proches aidants ou les citoyens. Wow! Là, je viens de perdre le contrôle de ma présentation. Envoyez-nous pas de courriel, s'il vous plaît, parce qu'après ça, je suis plus capable de toucher à ma présentation. Bon, face à cette transformation-là, on retrouve la communauté scientifique est un peu dans une zone d'ambivalence. On retrouve trois grandes catégories de chercheurs. Les avocats de la participation patient ou les agnostiques et puis les athées. Donc, tu as des gens qui disent « Ah ben là, attention, les patients sont pas représentatifs, sont pas compétents pour participer à la recherche, ils vont arriver avec leur agenda militant, ça va introduire des biais », alors que d'autres vont dire « Bon, ça va améliorer la pertinence de la recherche, on va mieux répondre aux besoins prioritaires des patients, on va accroître la capacité d'utiliser les résultats ». Et les agnostiques entre les deux nous demandent « Mais où sont les preuves ?» On a, en fait, il y a considérablement de recherches qui a été faite sur la participation des patients en recherche, certains bénéfices potentiels qui ont été identifiés, puis ça, je tire ça d'une revue systématique qui a été faite par l'équipe de Participatory Research à McGill, c'est de faire une recherche qui est plus culturellement et logistiquement appropriée, favoriser un apprentissage mutuel entre les chercheurs et les patients, donc un échange des compétences respectives des différents partenaires de recherche, accroître la capacité de recrutement des patients comme sujet de recherche. Donc, on a certaines études où des patients sont impliqués dans le design de l'étude et aussi dans le recrutement des patients qui ont eu des meilleurs taux de recrutement. On génère des conflits. Il y a des conflits de perspectives, mais qui peuvent être productifs puis permettre au fil des négociations de s'entendre sur des priorités communes, et on a le potentiel d'améliorer l'impact de la recherche et accroître la pérennité des projets de recherche au-delà de la période de financement de projets ponctuels. Les difficultés potentielles, c'est le temps et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des partenariats efficaces. L'incertitude que ça apporte sur la direction du projet, donc nécessairement en impliquant des patients puis en voulant leur donner une influence sur le processus de recherche, on n'est plus dans une mécanique linéaire où on a un protocole figé dans le béton, tout est décidé d'avance, donc ça apporte une zone d'incertitude. Et il y a des potentiels conflits de perspectives sur qu'est-ce que c'est une connaissance valide, c'est quoi les objectifs du projet, etc. Donc concrètement,
Si vous êtes dans les l'autre type de réflexion qui me venait, c'est les stades de préparation au changement. Tu as des chercheurs en pré-contemplation, je travaillerai jamais avec les patients, des gens en contemplation, oui, je voudrais le faire, mais comment le faire? Puis il y a des chercheurs en action. Donc, mettons pour le public ici en pré-contemplation, j'aimerais travailler avec les patients en recherche, mais comment le faire? D'abord, si vous approchez la littérature sur la participation des patients en recherche, vous allez être confronté à toute une diversité de langages puis de traditions qui sont convergentes en fait à plusieurs égards, là. Donc, il y a un bagage de littérature autour de l'engagement des patients, la participation du public en recherche, etc. Il y a une tradition en recherche participative. Puis, dans le contexte canadien, tout ce qui est développé autour de l'application intégrée des connaissances, en fait, dans ces trois domaines-là, vous allez retrouver souvent des principes qui se ressemblent en termes de pratique, mais c'est important juste de reconnaître qu'il y a des différentes façons d'aborder la question. Dans une perspective d'engagement des patients, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que les patients comme partenaires peuvent jouer différents rôles dans le domaine de la santé, donc peuvent être impliqués comme partenaires dans la recherche, mais aussi comme partenaires dans les soins de santé, dans l'amélioration des soins, etc., ou dans l'éducation des professionnels. Et il y a certaines compétences communes, au fond, qui sont partagées, peu importe le domaine d'application. Un autre cas intéressant quand vous réfléchissez à travailler avec les patients, c'est à quel stade du processus de recherche est-ce que les patients vont contribuer? Donc, à l'intérieur d'un cycle de la recherche, que ce soit l'élaboration des priorités de recherche, le choix des projets de recherche qui vont être financés, donc impliquer les patients dans le processus de révision par les pairs, le design, l'identification des questions de recherche ou la gouvernance d'un projet de recherche, la conduite du projet de recherche. Les patients peuvent jouer un rôle, par exemple, comme intervieweurs auprès des patients ou peuvent être partie du développement d'une intervention qui est testée dans la recherche ou dans le mécanisme de dissémination, d'implantation ou d'évaluation de la recherche. Bon. Un autre point intéressant pour clarifier nos idées par rapport à l'engagement des patients, c'est de reconnaître qu'il y a différents niveaux d'engagement. Et là, il y a une panoplie d'échelles qui existent dans le domaine. Je vous en propose une, mais il y en a d'autres. Une chose qui est importante de distinguer quand on réfléchit à impliquer les patients, c'est à quel niveau ils vont jouer. Donc, dans des mécanismes d'information, on va transmettre de l'information vers les patients, par exemple, développer du matériel éducatif, des aides à la décision ou utiliser les médias publics pour transmettre des informations, par exemple, sur les résultats de la recherche. Dans une approche de consultation, on va vouloir colliger des données ou les perspectives des patients, par exemple, à la main de l'aide de sondage sur leurs priorités de recherche, de groupes de discussion ou leur implication sur un comité consultatif de la recherche. Dans une dynamique de participation, on va vouloir favoriser l'échange d'informations entre les chercheurs et les patients, par exemple, une conférence de consensus pour s'entendre sur des priorités communes de recherche ou pour s'entendre sur une stratégie de dissémination ou d'implantation. Et dans une dynamique de partenariat, la grosse différence, c'est que dans les trois premiers niveaux, vous voyez la grosse boule, les petites boules, c'est que, au fond, le choix des mécanismes d'engagement, des objectifs de participation sont fixés, sont déterminés par l'équipe de recherche qui va solliciter les patients, alors que dans une dynamique de partenariat, il y a une dynamique plus de réciprocité et de partage du pouvoir décisionnel, incluant le co-leadership parfois du processus de recherche. Le partenariat aussi, c'est une relation de coopération qui s'inscrit dans la durée. Donc, alors qu'on peut avoir des activités ponctuelles de consultation avec des patients pour un stade de la recherche, par exemple, l'établissement des priorités, dans une dynamique de partenariat, on va vouloir inscrire cette collaboration-là dans la durée à travers le fil du processus de recherche et même au-delà. Il y a une entente mutuelle sur les objectifs et les moyens de collaborer ensemble et une reconnaissance de la complémentarité entre les savoirs expérientiels des patients et les savoirs professionnels, des chercheurs qui sont autour de la table. Il y a pas, en fait, il y a différentes façons et je voudrais pas pousser l'idée qu'il y a une seule façon de travailler avec les patients en recherche, mais c'est important d'avoir un alignement entre les objectifs qui sont poursuivis et les méthodes. Donc, les stratégies de communication vont avoir pour but d'informer ou d'influencer les décisions, les comportements qui vont être pris par les patients, alors que les mécanismes de consultation vont viser à informer et influencer les décisions qui sont prises par les chercheurs.
Dans certains cas, on utilise des stratégies de consultation pour légitimer des décisions qui sont prises au préalable par les chercheurs. Puis ça, c'est ce qui fait des mécanismes de consultation, des approches qui sont un peu à risque d'instrumentalisation au fond du rôle des patients en recherche. Dans des dynamiques de participation, on essaie de favoriser un apprentissage mutuel entre les participants pour générer un plus grand consensus, alors que le partenariat vise une coopération plus sur le long terme. Dans la pratique, ça c'est des résultats qui sont issus d'une étude, d'une revue systématique récente sur le rôle des patients en recherche, la majorité des projets de recherche impliquent les patients dans un rôle consultatif. C'est assez rare le nombre de projets de recherche où des patients vont participer au sein de l'équipe de recherche, puis encore plus rare où on va avoir un partage du leadership puis des collaborations sur le plus long terme. C'est aussi une des utilités aussi de réfléchir par niveau d'engagement, c'est que ça vient clarifier la façon de réfléchir au choix ou à l'identification au recrutement des patients. Donc, les critères ne seront pas les mêmes si vous êtes dans une dynamique de consultation que dans une dynamique de partenariat, par exemple. Donc, les méthodes de consultation ont l'avantage de nous permettre de travailler avec un grand nombre de patients. Puis c'est dans ces par rapport à ces approches-là qui utile et approprié de réfléchir à des notions comme la représentativité statistique des participants, où on veut avoir des expériences, que les gens apportent l'expérience individuelle brute, non teintée ou influencée par le processus comme tel. Dans une dynamique de partenariat, nécessairement, on travaille en plus petits groupes. Si vous allez recruter un économiste pour travailler sur votre équipe de recherche, vous avez rarement comme critère de savoir s'ils sont statistiquement représentatifs de la population des économistes en santé. Ce que vous cherchez, c'est des gens qui ont une expertise spécifique pour la tâche par rapport à laquelle vous souhaitez collaborer. Dans le domaine de la participation des patients, vous allez souhaiter travailler avec des gens qui ont un savoir expérientiel qui est en lien avec le projet de recherche, mais des gens aussi qui ont une réflexivité par rapport à leur propre expérience, être capable de la mettre en perspective par rapport à l'expérience d'autres personnes qui ont des habiletés de travail en équipe, de leadership, etc. Il y a tout un cadre, en fait, pour réfléchir à la compétence des patients requis pour travailler en partenariat. Il y a un cadre de référence qui a été développé, qui est intéressant par la Direction collaboration partenariat patient à l'Université de Montréal sur la base des travaux de Luigi Flora, qui est un patient-chercheur, qui fait la distinction entre avoir des habiletés pour jouer un rôle comme partenaire dans ses propres soins individuels versus développer des habiletés pour partager ses propres expériences. Son propre savoir expérientiel au sein d'une équipe. Donc, par exemple, la capacité de prendre une distance, d'utiliser de la réflexivité jusqu'à être capable d'assumer un rôle de leadership au sein d'une équipe de recherche ou d'une équipe de soins. Mais les attitudes et les compétences, ce n'est pas seulement les patients qui doivent les avoir. Il faut aussi qu'il y ait un miroir du côté des chercheurs qui s'engagent dans une dynamique de partenariat. Puis ça, la liste, en fait, je l'ai tirée d'un guide encore qui avait été développé pour les IRSC il y a quelques années. Donc, il faut de la part des chercheurs, d'avoir des chercheurs qui valorisent les savoirs expérientiels, qui sont capables d'identifier une contribution spécifique des patients par rapport à leur projet de recherche. Des chercheurs dont les objectifs professionnels et les habiletés interpersonnelles sont compatibles avec la recherche en partenariat, qui sont prêts à consacrer effort, temps et ressources dans le développement et le maintien de la collaboration, qui sont prêts à apprendre des patients, pas juste s'installer là pour enseigner aux patients, et qui sont flexibles dans leurs objectifs de recherche, même prêts à changer leurs questions et s'engager dans une dynamique de leadership partagée. Maintenant, une préoccupation qui revient souvent, c'est qui va se présenter, avec qui on va travailler, puis qu'est-ce qu'on fait avec les... est-ce qu'il est possible de s'engager avec des personnes vulnérables? Est-ce qu'on se retrouve pas toujours typiquement avec des personnes bien éduquées, universitaires, qui font partie de la culture dominante, etc.? L'enjeu ici, pour permettre de... Puis en fait, il y a plusieurs exemples de recherches effectuées en partenariat avec des groupes vulnérables. On pense à Anne McCauley dans son travail avec les communautés autochtones. Christine Noyon travaille beaucoup avec des personnes en situation de pauvreté. Jean-François Pelletier, à Montréal, travaille avec
des patients avec des problèmes de santé mentale sévères qui jouent des rôles comme co-chercheurs dans les équipes. Donc, c'est possible. Mais ce que ça demande comme effort au sein de l'équipe de recherche, c'est de réfléchir aux barrières à la participation des patients comme au sein de l'équipe de recherche et comment les abaisser. Donc, c'est sûr que si vous avez vos rencontres de recherche à Vancouver, qu'il faut payer son billet d'avion puis après ça être remboursé 6 mois plus tard, ben vous venez d'éliminer une bonne partie des patients. Si vous utilisez du jargon, des acronymes qui ne sont pas compris, ça ne fonctionne pas beaucoup. Si la rencontre dure 8 heures de temps, pas de pause, il est possible que des gens avec des problèmes de santé, ça soit un petit peu difficile à suivre. Donc, de la même façon que quand on pense à développer des services de santé de bas œil, où on essaie de se rapprocher le plus possible des populations visées, c'est la même chose si on veut développer des mécanismes d'engagement de bas œil qui permettent à un plus grand, une grande partie de la population de s'impliquer, de réfléchir aux barrières puis comment les abaisser. Le dernier point, c'est que la recherche en partenariat, ça demande un alignement entre les objectifs visés et les ressources disponibles pour soutenir l'engagement des patients. Donc, je vous ai fait une liste de projets de recherche qui se sont tous engagés au niveau du protocole à transformer le système de santé avec les patients, travailler en partenariat comme partenaire égal, etc., à tous les niveaux, qui ont un budget global de recherche qui varie entre 300 000 $ et 60 millions de $. Puis quand vous regardez le budget qui est disponible pour soutenir l'engagement des patients dans le processus de recherche, ça varie généralement entre 0 % et 3 %. Puis le budget dédié à l'évaluation du processus de partenariat, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce à quoi on s'est engagé à faire, qu'est-ce que ça a changé, comment ça a été perçu par les patients, par les chercheurs, etc., c'est généralement plus autour de 0 %. Donc, c'est sûr que si les ressources ne suivent pas les objectifs, on risque de se retrouver avec beaucoup d'attentes au niveau du protocole, puis très peu de résultats en termes de transformation du processus de recherche et ses résultats. Un dernier point, c'est que la recherche en partenariat, si on pense à une collaboration sur le long terme, il est utile de réfléchir à une infrastructure pérenne qui existe, qui survit au projet de recherche, puis qui permette de soutenir des collaborations à plus long terme entre des chercheurs et des patients. Donc, un exemple, c'est la direction collaboration partenariat patient à l'Université de Montréal, qui a une équipe de patients experts qui existe depuis 2005 avec un réseau de patients. Et donc, il est possible, avec une infrastructure de cette nature-là, de construire tranquillement l'expertise, par exemple, d'avoir des patients qui peuvent coacher, qui ont une expérience de collaboration dans un projet de recherche, qui peuvent coacher des nouveaux patients dans des nouveaux projets, des chercheurs qui ont de l'expérience en recherche participative, qui peuvent aussi aiguiller puis appuyer des jeunes chercheurs qui s'engagent dans ces dynamiques-là, etc. Donc, en termes de ressources disponibles, il y a des ressources disponibles tout de suite et il y a des ressources disponibles bientôt. Au Canada, il faut dire que les attentes envers les chercheurs ont peut-être été plus vite que les ressources disponibles pour soutenir les chercheurs, pour faire de la recherche en partenariat. Donc, actuellement, beaucoup d'équipes de recherche au Canada sont tenues pour appliquer sur une demande de subvention, exemple aux IRSC, d'avoir un patient comme membre de l'équipe de recherche, etc. Là, quand les chercheurs se tournent, mais comment je fais ça? Où sont les patients, etc.? Des ressources disponibles au Canada, il n'y en a pas énormément. Donc, une alternative, c'est de se tourner vers l'étranger, vers des pays qui ont plus d'expérience, notamment le Royaume-Uni, depuis le milieu des années 90, ont développé une infrastructure pérenne de soutien à la participation des patients du public en recherche. Donc, si vous tapez Involve sur Internet, vous allez trouver différents documents, puis je vous ai mis les liens directement vers 3 ressources qui peuvent être utiles à court terme, donc des notes de préparation qui vise les chercheurs, qu'est-ce que c'est la participation des patients, comment se préparer, quelles sont les différentes approches, etc. Un guide sur comment budgéter pour la participation des patients dans le processus de recherche. Il existe même une calculatrice sur le site de Involve et une librairie avec des exemples de projets de recherche dans lesquels les patients ont participé, mais aussi l'évaluation de l'impact, qu'est-ce que ça prend, etc. Donc, c'est une ressource qui est vraiment utile. Aux États-Unis, le Patient-Centered Outcome Research Institute, qui a été fondé en 2010 avec Obamacare, est vraiment un chef de file aux États-Unis pour promouvoir aussi la participation des patients en recherche. PCORI, un peu comme les IRSC, ont avancé, ont mis la charrue avec les bœufs, là, ont demandé aux gens de
d'impliquer les patients, mais on peut laisser le marché définir le produit d'une certaine façon, et ils ont conçu ce qu'ils appellent leur Patient Engagement Rubric, qui est un exemple de la façon dont des équipes de recherche ont impliqué les patients dans leur première vague de financement depuis Corey. Et l'idée est montée d'une façon pour permettre à des chercheurs de présenter leur projet d'engagement des patients au niveau de leur demande de subvention. Fait que ça, c'est aussi, c'est une ressource qui est utile, qui est disponible maintenant. Au Québec, il existe des groupes qui offrent du soutien, qui peuvent offrir de l'expertise pointue. Donc, la direction collaboration partenariat patient, je vous ai donné, j'en ai déjà parlé. Le groupe Participatory Research at McGill a une longue expérience d'accompagnement d'équipes de recherche dans des dynamiques de collaboration. Au niveau communautaire, des groupes comme l'Institut du Nouveau Monde aussi ont développé des guides. En fait, ont même publié un livre qui s'appelle « Aux sciences citoyens » sur différentes façons de faire de la recherche avec le public. Et vous avez des experts locaux. Je vais vous identifier une couple de noms un petit peu plus loin en vous décrivant qu'est-ce qui s'en vient. Au niveau des IRSC, il y a des développements à venir. Les IRSC se sont engagés à développer un curriculum de formation qui vise d'abord les patients. On attend le curriculum pour former les chercheurs, mais dans un premier temps, les IRSC ont choisi de développer un curriculum générique de préparation pour les patients à la recherche, qui devrait être disponible. En fait, il y a une première conférence de consensus la semaine prochaine, puis ça devrait être disponible autour de l'automne. Vous avez vu apparaître des nouveaux concours de financement spécifiques pour soutenir la collaboration entre des équipes de recherche et des patients, incluant dans les étapes précoces du développement d'une demande de subvention. Donc, c'est des petites enveloppes, 15 000 $. Il faut avoir un cofinancement un pour un. Enfin, c'est pas, ça règle pas tous les problèmes, mais c'est une ressource de plus. Puis, dans les autres choses qui s'en viennent, il y a les unités de soutien à la recherche axées sur le patient, mais je vais vous en dire un petit peu plus si je suis capable de changer mes diapos. Ah oui, bon, en fait, non, c'est ça. L'unité de soutien, les unités de soutien, en fait, font partie, c'est un des éléments de la stratégie de recherche axée sur le patient, c'est des infrastructures de soutien à la recherche axée sur le patient. Pour le Québec, l'unité de soutien a une priorité de soutien vers la recherche en soins et services de première ligne, donc c'est important pour les membres du Réseau 1 Québec. Les composantes principales où ça comprend des services de soutien à l'accès aux données, à l'application des connaissances, de l'expertise de pointe en méthodologie de recherche, en essai clinique, en contexte réel et en formation. Et l'unité soutien du Québec a décidé de développer une fonction de soutien à la recherche en partenariat avec les patients et le public. Il y a une table de travail qui vient, en fait, qui va remettre ses travaux récemment, que j'ai eu le plaisir de co-présider avec Vincent Dumais et plusieurs chercheurs du Québec, incluant Marie-Pierre Gagnon à Laval, Paul Labouche à McGill, Christine Noyon à Sherbrooke, Jean Légaré à Laval, Mathieu Ménard aussi à Laval, et certains organismes partenaires, le ministère, l'INES, le commissaire à la santé, l'INM, donc des organisations avec l'expérience dans la participation des patients à différents niveaux du domaine de la santé. Et la proposition, c'est de proposer aux chercheurs du Québec des services de soutien pour la recherche en partenariat avec les patients et le public, incluant l'accès à un réseau d'experts, un service de mobilisation et jumelage pour permettre d'identifier des patients, des membres du public qui pourraient travailler avec des équipes de recherche, des outils de formation et d'accompagnement des partenaires, pas juste les patients, mais aussi les chercheurs, et aussi des outils d'évaluation, incluant des outils d'auto-évaluation pour permettre à une équipe de recherche de s'auto-évaluer après un processus de participation pour apprendre de son expérience, le tout soutenu par une infrastructure commune provinciale dans laquelle on pourrait, qui serait basée sur le web, dans laquelle on pourrait héberger des guides méthodologiques, incluant des liens vers des guides qui existent déjà, un répertoire commun des partenaires, des contenus de formation, y compris de la formation en ligne et des outils d'évaluation. L'idée aussi, la proposition, c'est de soutenir la capacité locale de faire de la recherche. Donc, souvent, pour accompagner les équipes, c'est beau avoir accès à un site web, mais on a besoin souvent de quelqu'un en face à face pour être capable d'accompagner les équipes. Donc, l'idée, ce serait d'avoir des co-leaders de la recherche en partenariat à l'intérieur de chacun des RUIS qui pourraient soutenir les équipes de recherche. Attention, ça va changer. 1, 2, 3.
Testing Houston. Ouais, c'est drôle cette histoire-là. Bon. Ah oui, en conclusion. Bon, en conclusion, en 2015, les patients changent de rôle, passent progressivement d'un rôle de sujet de recherche. En fait, ils vont continuer à être des sujets de recherche, mais ils deviennent aussi des partenaires de recherche. La participation active des patients, ça a le potentiel d'accroître la pertinence de la recherche et son impact sur la santé. Il existe plusieurs ressources qui sont disponibles. Certains s'en viennent pour appuyer des équipes de recherche qui sont prêtes à s'investir, qui sont qui sont pas en pré-contemplation, mais qui veulent faire le saut pour faire de la recherche en partenariat avec les patients et le public. Je vous ai fait une liste de références, une liste de ressources, tout ça sera disponible sur le site de Réseau 1 Québec. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez m'écrire et ça me fera plaisir de répondre à presque toutes vos questions. Merci. Bon, merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment fantastique. Merci. Vraiment une excellente présentation. Donc là, on va ouvrir ça aux questions. Antoine, est-ce que vous passez à la prochaine diapo? Oui, oui, on essaye. On essaye. Ça s'en vient. OK. Parfait. Donc, juste pour vous rappeler qu'il y a deux façons pour poser les questions. Donc, vous pouvez lever votre main. OK. Nous autres, on va ouvrir votre micro. Puis là, on va vous inviter à poser votre question verbalement. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions par écrit dans la boîte de questions. Donc là, n'importe quand que vous avez une question, on va lire votre question, puis on va le poser à Antoine. Donc là, je veux savoir s'il y a des gens qui ont des questions tout de suite. J'aimerais aussi savoir si les gens qui sont en ligne, peut-être que vous pouvez parler un peu de vos expériences avec l'engagement des patients dans vos projets de recherche. Quels sont les défis, quels sont les effets positifs ou négatifs par rapport à ça? Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant d'avoir un échange là-dessus parce que là, on a quand même amplement le temps d'avoir un bel échange. Moi, Mathieu, j'ai une question dans ma salle. Ça dit, donner des exemples de façon de diminuer les barrières pour les patients vulnérables. OK, vas-y. Faut que je trouve la réponse. Bon, en fait, ça demande d'être vraiment pratico-pratique à beaucoup de niveaux, puis de réfléchir avec qui on travaille. Puis une façon, c'est de mettre dans le coup des gens habitués à travailler avec la population cible. Donc, je réfléchis par exemple à Christine Loignon qui travaille avec des organismes communautaires qui offrent des services pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est des gens qui peuvent être dès le début impliqués à dire bon, mais comment on va rejoindre notre population cible, comment on peut travailler ensemble. Des fois, ça peut aller jusqu'à comment on conçoit le plan de table dans la réunion de recherche. Donc, exemple, dans un projet qu'on a mené, on a assis nos patients deux par deux, face à face. Donc, deux paires de patients qui s'assoient ensemble puis qui sont un en face de l'autre. Donc, ils sont capables de s'appuyer l'un l'autre avec des cues non visuelles ou quand ils ont des questions, de se retourner vers l'autre patient plutôt que vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est moins intimidant. Prendre des pauses fréquentes. Présenter aussi le matériel. On a travaillé avec des personnes avec des assez faible niveau de littératie, niveau primaire, secondaire. Donc, on avait de l'information écrite, mais en début de rencontre, on présentait toujours l'information verbalement aussi. Donc, ça, c'est différents petits trucs. La question de la compensation aussi pour les personnes vulnérables est importante. Il faut être sensible à différents enjeux. Entre autres, si vous travaillez avec des gens sur l'aide sociale, vous avez une compensation financière. Ça peut être déduit de leur prestation d'aide sociale. Donc, vous voulez
peut-être chercher d'autres façons avec des coupons ou etc. de fonctionner. Je sais que Jean-François Pelletier, quand il travaille avec des personnes avec des problèmes de santé mentale, il a travaillé avec les programmes de réinsertion à l'emploi. Donc, les patients sont embauchés comme assistants de recherche dans un programme de réinsertion à l'emploi. Donc, c'est pas en conflit avec tous les enjeux financiers autour. Voilà. Donc, c'est des petits exemples. Je sais pas s'il y a d'autres questions qui sont en train de brûler. Pour l'instant, okay. Antoine, vous avez parlé le budget, ouais, pour encourager l'engagement des patients. Donc, les chercheurs ne mettent pas beaucoup de budget pour favoriser l'engagement. Donc, qu'est-ce que vous suggérez là? Comment est-ce que c'est accueilli aussi par les IRSC de mettre ça dans nos budgets ou c'est par d'autres organismes? Ouais. Puis qu'est-ce qui est comme réaliste à mettre? OK. Donc la question, c'est le budget. Qu'est-ce qui est permis par les IRSC, puis qu'est-ce qui est raisonnable de mettre dans le budget? Vraiment, le guide de Involve, je vous encourage à jeter un œil. C'est super intéressant. Ça amène, par exemple, les chercheurs à réfléchir sur à quelles étapes du processus de recherche je vais vouloir impliquer les patients. Puis qu'est-ce que ça va vouloir dire en termes de, en brisant les coûts, par exemple, compensation des participants, remboursement du temps de transport, paiement pour les soins d'une personne à la maison pour un soignant, embauche d'un animateur externe quand on veut essayer de briser le rapport de force entre les chercheurs puis les patients. Donc, avoir quelqu'un neutre aussi pour préparer pour animer les rencontres. Les activités de recrutement, il faut que ça soit budgété. Nécessairement, si vous avez une activité où vous voulez essayer d'avoir un groupe large de patients qui est impliqué, ben il va falloir être capable de sortir soit avec les médias, etc. pour dans les stratégies de recrutement. Puis en termes de qu'est-ce qui est budgétable par les IRSC, j'avoue là que je suis un peu hors de ma zone de confort là, mais on n'a pas de guide spécifique des IRSC à ce niveau-là. Récemment, en fait, pour ce qui est des... On peut considérer les patients comme des utilisateurs de connaissances, puis ça, c'est des items qui peuvent être budgétés en termes de compensation du temps. Donc, ça dépend aussi du rôle qu'on va donner aux patients. Ce qui est un peu aussi, en fait, ce qui devient des fois une des barrières pour inscrire le patient nominalement comme un co-chercheur, si vous voulez être capable de compenser son temps. Fait que des fois, il va falloir faire la distinction entre le rôle nominal sur la demande de subvention versus le rôle au sein de la gouvernance de l'équipe de projet, qui peut être deux choses. Donc, récemment, moi, j'ai déposé une demande de collaboration où c'était clair que le patient avec qui je travaillais, c'est lui qui co-dirigeait le projet, mais il est inscrit comme collaborateur, j'ai besoin de compenser son temps. Mais dans la mécanique de gouvernance, ben là, c'est différent. Fait que ça demande un petit peu de naviguer là, à l'intérieur de ça. Je sais pas si ça répond. Oui, absolument. Oui. Je vais partager un commentaire. Oui. Donc, de Geneviève Roth. OK. Présentation très intéressante. Donc là, elle va parler des défis de l'engagement. Donc, au niveau des défis, ça implique une programmation de recherche très flexible, ouais, mais aussi le respect de la disponibilité des partenaires, ouais, malgré les échéanciers serrés des projets financiers. Ouais. Il y a une question de productivité centrée sur les indicateurs de recherche plutôt que sur la portée et les retombées pour les patients publics participants. Ouais. Donc, tu sais, lorsqu'on cherche à améliorer notre productivité par les indicateurs traditionnels de la recherche, bien, ça se peut qu'on s'éloigne un peu des intérêts et des priorités. Tout à fait. Je vais reformuler pour les gens qui sont ici parce que c'est juste moi qui ai les écouteurs là, spatiales. Mais donc, le point, c'est de dire, pour travailler avec les patients, ça demande de la flexibilité de la part des chercheurs, mais aussi il y a une compétition entre les indicateurs de productivité de la recherche, publication scientifique versus de la recherche qui a un impact social ou de l'impact aux yeux des patients. Ça, c'est vraiment clair.
peut-être des développements en termes de flexibilité qui sont intéressants pour la recherche plus dure, là, parce que les méthodologies de recherche qualitative, recherche-action, etc., ont assez bien imbriqué dans leur structure même, puis dans leurs critères de c'est quoi de la bonne recherche ou de la recherche rigoureuse, l'idée de la flexibilité, des démarches itératives, etc. Alors que quand on se déplace vers des méthodologies plus d'inspiration positiviste, de type essai randomisé, puis tout ça, il y a dans la façon même de concevoir une recherche de qualité un conflit avec certains principes de partenariat. Des développements intéressants qui pourraient être utile à essayer de marier, c'est, par exemple, il y a de plus en plus de réflexions sur la notion de adaptive design dans le domaine des essais randomisés. Puis, à mon sens, ça ouvre une porte au plan méthodologique à dire, ben, il y a certains aspects même d'un essai randomisé qu'on va laisser ouvert parce qu'on veut travailler avec des patients puis on veut laisser de la place pour être influencé par les patients. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, pour ce qui est des indicateurs de performance, là, de la recherche, c'est clair que c'est un enjeu. C'est de travailler avec les patients, c'est pas nécessairement ce qui vous a aidé à publier dans le New England Journal of Medicine. Quoique, de plus en plus, certains journaux commencent à intégrer des patients même dans le processus éditorial puis tout ça. Donc ça risque aussi de transformer les règles du jeu, puis pas nécessairement désavantager des chercheurs qui s'engagent dans une dynamique de partenariat avec les patients. J'avais une autre question. Donc là, je vais encourager d'autres personnes. Moi, j'ai une autre question de Jenny, mais si oui, tu en as une autre, tu peux la poser parce que je veux essayer de la repousser le plus loin possible parce que c'est difficile. Oui, non, vas-y. OK. Bon. La question de Jenny Haggerty, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir au Réseau 1 Québec en 2020 pour l'engagement des patients? Je pense que c'est une question pour tous les participants. On va recueillir vos commentaires. Mais peut-être, en fait, on va avoir cette discussion-là ici, puis ça serait intéressant d'ouvrir la discussion plus largement, mais pour le réseau 1, personnellement, moi, une idée qui me nourrit, c'est sûr que je pense que la communauté des chercheurs en première ligne a une sensibilité puis une ouverture particulière à la recherche avec les patients, qu'on retrouve peut-être pas autant dans d'autres communautés de recherche. Puis si on regarde, par exemple, des groupes comme le North American Primary Care Research Group ont été très proactifs dans le domaine de la recherche participative, etc. Depuis 2 ans, impliquent des patients et des cliniciens dans leurs conférences de recherche, même dans la gouvernance de l'organisation, etc. Donc, je pense qu'il y a une opportunité pour la communauté de la recherche en première ligne pour prendre une position de leadership dans ce domaine-là, puis s'assurer que le langage puis la rhétorique de la recherche en partenariat n'est pas perverti de ces principes. Donc, on est capable d'en faire quelque chose de rigoureux, qui n'est pas quelque chose juste qu'on va étamper dans le protocole, puis après, il ne se passe plus rien. En termes de... Pour moi, un des défis, puis ça a fait partie des discussions qu'on a eues avec la table de travail pour l'unité support du Québec, c'est que il existe passablement d'expériences pratiques au sein de notre communauté au Québec, de chercheurs qui ont déjà eu des projets de recherche avec les patients. Ce qui manque, c'est des infrastructures pérennes de soutien pour épauler ces chercheurs-là, puis former d'autres générations de chercheurs, puis s'assurer de construire aussi une communauté de patients qui ont de l'expertise et de l'expérience à travailler en recherche. À mon sens, un des lieux dans lesquels cette infrastructure-là pourrait habiter pour le réseau 1 Québec, c'est les UMF. Donc, c'est des institutions qui vont pas disparaître dans le temps, puis dans lesquelles des patients pourraient à la fois être mobilisés comme dans des projets de recherche, mais aussi dans des projets d'amélioration de la qualité, aussi dans l'enseignement, dans les soins. Donc, c'est probablement l'unité de base, il me semble, dans laquelle ça serait le plus intéressant d'investir pour soutenir des relations de collaboration avec les patients. Mais après ça, ce qui est intéressant du rôle d'un réseau, c'est d'être capable de mettre ces patients-là en réseau avec d'autres patients et ces cliniciens-là, ces chercheurs-là en réseau pour être capable de construire une base d'expertise commune au fond autour de ça. Des outils de formation communs, etc., etc. Puis même la capacité de faire de la recherche sur le partenariat avec les patients. Parce qu'actuellement, le gros de la littérature scientifique dans le domaine est vraiment centré autour d'une collection d'histoires de cas.
Fait qu'on a des équipes de recherche qui ont travaillé avec des patients qui ont raconté leur expérience, mais la capacité de poser des questions transversales à travers différents projets de recherche, de savoir par exemple où ça marche mieux, où c'est plus difficile, quel est l'impact à plus long terme, c'est difficile. Puis ça, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre autrement que dans une dynamique de réseau. Voilà, c'est quelques idées. C'est une bonne réponse. Je vais demander aux gens de réfléchir aussi et de partager leur point de vue. Entre-temps, il y a une question aussi qui provient de l'Université Laval, de Joyce Dogba. Oui. Donc, avec l'intérêt accru pour l'engagement des patients en recherche, y a-t-il, selon vous, un risque de sursollicitation des mêmes patients? Puis, comment prévenir ce phénomène? Oui. C'est clair, en fait, il y a plus qu'un risque. Il y a sur-sollicitation actuellement des quelques patients qui ont plus d'expérience dans le domaine, puis qui actuellement nous disent qu'ils sont vraiment, et puis ils sont souvent tout seuls, pas nécessairement épaulés au niveau institutionnel. On leur demande de jouer des, tu sais, on met sur eux des attentes qui sont très élevées avec souvent peu de soutien. Les mécaniques aussi de sollicitation des patients fonctionnent souvent, tu sais, 2 jours avant la date de soumission d'une demande de subvention, un patient va recevoir un courriel, on va leur demander d'étaler leur vie dans un témoignage, etc. Ils vont être sollicités à tour de bras. Donc ça, c'est un véritable enjeu. À quelque part, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut construire sur l'expertise qui a été développée par certains patients pour permettre d'élargir le bassin des individus qui contribuent à la recherche. Puis ça demande un effort proactif pour aller inviter des gens plus largement. Fait qu'un des véritables risques, je pense, c'est une vraie arme à double tranchant, l'idée de construire des répertoires de patients à la recherche. Il y a quelque chose de super attirant parce que, aux yeux des équipes de recherche, c'est une solution facile, là, de type, j'ai ma bio au banque, j'ai besoin d'un patient, voici son profil, trouve-moi ça, je le mets sur le siège, c'est fini. Mais le risque d'une dynamique de répertoire, c'est de créer un épuisement des patients qui sont là, puis aussi un rétrécissement des perspectives qui sont sollicitées. Moi, je pense qu'il y a une place pour un répertoire, mais dans une perspective surtout de coaching puis de construction d'une expertise. Mais qu'on fasse l'effort d'aller au-delà de d'autres personnes systématiquement. Donc, merci pour cette question, Joyce. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui aimeraient parler avec Antoine plus directement par webcam? Antoine, on a fait le scan environnemental. Oui. En fait, oui, vas-y, Mathieu. Dans le cadre de notre travail, pour la table de travail. Puis, ma question est, quels sont vos constats par rapport à ce scan? Donc là, chacun des membres de la table de travail pour l'engagement des patients de l'unité de soutien du Québec a fait un travail pour voir dans leur risque ou dans leur organisation quels sont les différents types de stratégies d'engagement en recherche qu'ils se font. Donc, quels sont vos constats? Quelles sont les surprises dans votre perspective? Qu'est-ce qu'on retient de ce travail-là? Bien, c'est ça. Dans le cadre de la stratégie d'engagement des patients pour l'unité support, on a demandé aux membres de la table de travail d'identifier dans leur réseau des activités d'engagement des patients. Le premier constat, c'est le volume d'activités puis d'expériences qui existent dans notre réseau. Il y a toute une série de chercheurs qui ont déjà abordé ces questions-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité de perspectives puis d'approches. Donc, soit il y a des gens autant en termes de type de population avec lesquels les gens ont travaillé qu'en termes d'approche ou méthodologie de recherche, fait qu'il y a il y a vraiment un bagage d'expertise qui existe au Québec. Ce qui manque, l'autre, c'est que ces experts-là ou ces équipes-là sont relativement isolés, sont pas nécessairement soutenus au plan institutionnel. Donc, il y a un besoin de mettre en réseau aussi des chercheurs et des patients qui ont l'expérience de travailler ensemble, puis de les soutenir. L'autre chose qui est intéressante avec le scan, je pense qu'on
si on avait l'opportunité, ça serait quelque chose qui serait intéressant de compléter puis de rendre disponible, c'est que ça offre une ressource pour les gens localement de dire ben j'ai des questions vers qui je peux me tourner, vers des chercheurs autour de moi. Fait que ce que j'encouragerais les participants à la conférence d'aujourd'hui, c'est de revoir le nom des membres de la table de travail que vous connaissez dans votre réseau, les solliciter, parce que eux-mêmes sont en lien avec d'autres gens dans votre ruisse qui peuvent vous aider. J'ai une autre question ici de Susan qui dit « What do you think of the shift in the UK from patient-centered to patient-centered care? » Hein? Ah, oh, to person-centered care. What is the actual meaning for patients, for researchers? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Susan? Ouais. Ouais. Fait qu'un des enjeux, en fait, la question, c'est qu'au Royaume-Uni, il y aurait un passage entre passer d'une pratique centrée sur le patient versus centrée sur la personne. Déjà, en fait, centré sur le patient, ça implique pas nécessairement que le patient est un partenaire actif. Hein? On peut avoir des approches centrées sur le patient où des professionnels réfléchissent entre eux sur qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire pour le patient, ou on peut avoir de la recherche centrée sur le patient où il y a juste des chercheurs. Donc, un des passages, c'est d'une approche centrée sur le patient vers une approche avec les patients. Donc, ça, c'est un premier passage. Maintenant, le terme de patient, c'est sûr qu'il est problématique à différents niveaux. Certains disent, bon, le patient, ça implique une relation passive, une différence de pouvoir entre le patient et le professionnel. Aussi, c'est restrictif dans le sens où ça ne laisse pas vraiment de place au proche aidant. Aussi, c'est une perspective individuelle. Hein, le patient, c'est par rapport à la notion du public qui peut avoir une perspective plus communautaire. Certainement, ça, c'est une des discussions qu'on a eues dans le cadre de notre table de travail. Au Canada, la stratégie est vraiment axée, c'est la stratégie de recherche axée sur le patient. Nous, notre position pour la table de travail de l'unité support, ça a été de proposer une stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public. Puis pour nous, la notion de public ou de communauté ou de citoyen est importante, notamment dans une perspective de recherche en première ligne, où on n'est pas uniquement centré sur des soins individuels à des patients, mais aussi sur des services de prévention, de promotion de la santé qui sont offerts à une communauté. Donc, Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes de ton côté? OK, oui, il y a une question qui vient de rentrer de Geneviève Rock à Laval. OK. Donc, vous avez trouvé les rapprochements en transfert des connaissances et recherche en partenariat avec les patients en personne. Jusqu'à quel point les stratégies d'implication des patients sont-elles différentes des stratégies de transfert des connaissances dans l'action mise en œuvre avec le décideur clinicien? Wow. OK. Je vais essayer de formuler pour les gens ici, puis ça va être notre dernière question parce qu'on est arrivé déjà à 1h05. La question, c'est quel est le lien ou la différence entre l'engagement des patients, si j'ai bien compris, puis les stratégies de transfert de connaissances avec les cliniciens et les décideurs. J'ai-tu bien compris? Est-ce que les stratégies d'implication des patients sont vraiment si différentes des stratégies d'implication des cliniciens ou des gestionnaires dans la recherche? Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de principes qui se ressemblent énormément. Un des enjeux qui est différent par rapport au... Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut construire sur les traditions puis sur le travail qui a déjà été fait dans le domaine du transfert ou de l'application intégrée des connaissances avec les cliniciens puis les décideurs. Une des différences, c'est notamment au niveau du rapport de pouvoir. Donc, entre chercheurs et cliniciens ou chercheurs et décideurs publics, il y a quand même un bagage en termes de formation, familiarité avec le langage, etc. C'est des gens souvent qui ont été professionnalisés ensemble. Souvent, il y a des croisements. Vous avez des gens qui ont des doubles rôles de cliniciens, chercheurs, etc. Alors que les écarts de perspective, de formation, de pouvoir peuvent être beaucoup plus grands avec les patients et le public. L'autre chose qui est différent, c'est que les patients et le public
sont pas nécessairement autant structurés ou habitent pas nécessairement autant dans des institutions puis des structures comme les cliniciens puis les décideurs. Donc, quand on veut travailler avec des médecins de famille, on va passer par une institution, un collège, etc. Alors que les patients souvent vont être sollicités individuellement. Puis ça aussi, ça peut créer une fragilité parce que quand on négocie des choses, par exemple, sur la compensation, un à un, avec un chercheur principal versus quelqu'un qui est chez lui, ben c'est pas le même rapport de force qu'avec un clinicien qui est recruté via le Collège des médecins de famille du Québec. Là. Pour moi, il y a des préoccupations particulières à l'engagement des patients. Absolument. Voilà. Mais parfait. Merci beaucoup pour cette question, Geneviève. Donc, peut-être qu'on peut passer à la prochaine diapo. Oui, attends un petit peu, ça s'en vient. On a appuyé sur le piton. ça dit question. Alors, ah oui. Passe à la prochaine. Oups. Donc, vas-y, reviens parce qu'on veut voir Miguel. Ah oui. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont avec nous, pour le prochain webinaire, il va avoir lieu le 24 avril. C'est un vendredi de midi à 1h. Puis notre conférencier serait le docteur Mylène Breton. Donc, Mylène est professeure adjointe dans le département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Puis, elle va présenter sur l'analyse des guichets d'accès pour les clientes orphelines. Puis, on va passer à la prochaine diapo aussi. On va faire un petit plug pour la journée scientifique du Réseau 1 Québec qui va avoir lieu le 22 mai. Donc, on souhaite que vous êtes tous... Vous pouvez tous participer à cette belle journée scientifique. Donc, pour les cliniciens qui sont en ligne, il va y avoir des crédits possibles pour votre participation, donc jusqu'à 8 crédits, un crédit par l'heure à la conférence. Donc, on est en train de mettre ensemble le programme préliminaire qui serait partagé avec vous bientôt. Donc, on va avoir une conférence plénière traitant des patients partenaires, donc très à propos par rapport à notre présentation aujourd'hui. Il va y avoir un marché des innovations qui est un peu animé par Richard Fleet, qui va porter un peu sur les différents projets du réseau. On va avoir des différents ateliers, des workshops, pour faire des dialogues ensemble, des choses très interactives sur les cliniciens-chercheurs, les patients partenaires, aussi comment faire la gestion des projets de recherche. Puis finalement, on va parler, il va y avoir une table ronde sur l'utilisation des dossiers médicaux électroniques pour la pratique réflexive. Donc, vraiment une occasion à ne pas rater. On espère que vous êtes tous présents. Donc là, je pense que je vais passer le micro à Joe Guillaume ou sinon juste dire merci pour participer à ce webinaire. Puis, on vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un grand plaisir de présenter directement à partir de Houston. Et puis, je remercie les participants pour les questions et les gens dans la salle ici à St. Mary's. Merci pour l'animation, Mathieu. Et Joe Guillaume, à la technique, a fait un brillant travail. Ouais, merci beaucoup, Antoine. C'est fantastique, votre présentation. On a hâte de voir la suite des choses. Merci beaucoup.